Et alors que le Polisario vient de subir un nouveau revers diplomatique à l'ONU, le média Jeune Afrique révèle que son secrétaire général Brahim Rally, président de la fantomatique RASD, a été hospitalisé en urgence en Espagne. Ce dernier a été admis hier soir dans un hôpital de Logrono, non loin de Saragosse. Selon le média panafricain, Brahim Rally souffre d'un cancer de l'appareil digestif, et cela depuis plusieurs années. Il précise que pour des raisons de discrétion, mais aussi parce que Rally fait l'objet de plusieurs plaintes auprès de la justice espagnole, déposée par d'anciens membres du Polisario pour violation des droits de l'homme. Il a été hospitalisé sous le nom d'emprunt de Mohamed Ben Batouche, de nationalité algérienne. Et selon la même source, Rally avait d'abord été hospitalisé à Tindouf, où le chef d'état-major de l'armée algérienne, Saïd Chengria, lui a rendu visite. Son lieu d'évacuation a fait l'objet de négociations menées au plus haut niveau de l'état algérien. Et l'Allemagne ayant refusé de l'accueillir, c'est finalement l'Espagne qui a été choisie après intervention du président Tebboune.